Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de décembre. Alors, je précise pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne que je vais aborder des thèmes que j'ai essayé de les compartimenter, mais tout ça reste du bon sens évidemment. Pour beaucoup de Sagittaires ici, euh, ce sera un autre domaine que celui qui est dans les cases parce que les frontières entre les énergies sont bien sûr euh, assez vastes. Hein. Je m'adresse ici à un égrégore de Sagittaires. Il est bien évident que je ne peux pas non plus aborder toutes les situations des 1000 ou des 2000 sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Donc, du bon sens, s'il vous plaît. N'hésitez pas pour affiner davantage votre réalité à vous d'aller voir l'ascendant qui est même souvent assez plus parlant quand je, quand je constate autour de moi hein, que à partir de 30, 40 ans, plus vers 40, 50, 60, que les énergies sont plus. Euh, facile à lire dans les ascendants. Voilà. Donc bien sûr, si vous sentez une bonne connexion, n'hésitez pas à compléter avec d'autres aspects de votre carte du ciel. Allez, on y va. On va aller voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre. Alors, les Sagittaires, je tiens à vous souhaiter un bel anniversaire avant de commencer. Vous êtes le dernier signe pour ce mois de décembre, <laughs> en sachant que j'avais fait votre vidéo en réalité. Alors, je, je suis vraiment peinée parce que... Votre tirage montrait euh, des... un gâteau d'anniversaire. Il y avait même des bougies géantes. Enfin, c'était chouette. Et euh, malheureusement, j'ai eu un souci au montage, donc je n'ai pas pu la diffuser. Et vous étiez même le premier signe, sachez-le. Donc, euh, bah, on recommence. Et euh, ma foi, si c'était comme ça, c'est comme ça. Alors déjà, je vais euh, commencer par euh, récupérer d'ailleurs cette lettre J hein, que j'ai là. Je vais la mettre près de vous et j'ai également un petit écureuil. Donc euh, voilà deux, deux symboles qui sont sortis assez loin de vous. Alors j'ai l'impression que euh, ce J peut nous parler justement du jour J, hein, donc euh, un jour J particulier pour vous. Alors évidemment, certains, c'est en rapport avec votre anniversaire. On voit du monde, on voit des événements festifs, on voit de l'agitation d'ailleurs, hein, une communauté. On sent euh, des, euh, des notions euh, bah, de frères et de sœurs ici d'ailleurs hein, pour les sagittaires. J'ai le petit lapin qui nous parle de frères, de sœurs, et j'ai le chiffre 3. Euh, donc euh, on sent qu'on euh, veut rassembler ici. Du monde, et d'ailleurs, le chiffre 3 nous parle des frères et des sœurs. Pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir quelque chose en rapport avec ça. Et euh, l'idée que, bon, il bah, y, a, y a une. Voilà, c'est peut-être un événement clé pour vous, puisque des clés, j'en ai partout. J'ai la clé ici, et j'ai la clé ici. Voilà, sur, euh, sur cette énergie d'automne qui me rappelle d'ailleurs ce, cet écureuil. Donc, euh, certains sagittaires, d'ailleurs, vous avez fêté votre anniversaire euh, bah, euh, fin euh, fin euh, novembre. C'est peut-être un événement qui est déjà passé, hein, c'est possible. Bon, dans tous les cas, il y a euh, des situations assez costaudes ici pour vous les Sagittaires. On sent qu'il y a de l'animation, ça va être sportif. Regardez ce personnage qui se tient euh, sur ses euh, deux, deux, deux pieds là, et prêt à, à y aller. Euh, il semble qu'il reste un petit obstacle pour certains d'entre vous et c'est sans doute cette énergie-là un peu sportive que je ressens qui fait que bah, vous allez devoir... Euh, Peut-être lâcher quelque chose hein, ici, lâcher peut-être un peu du lest, hein, parce que peut-être on peut être un peu énervé hein, pour certains Sagittaires qui préparent des événements. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que beau chez vous les Sagittaires Parce qu'on a des éléments euh, forts. Regardez, on a cette énergie de trèfle et de trèfle, deux fois, avec cette, euh, cette, euh, cet élan. Euh, j'ai l'impression qu'on prend un nouvel élan et, et c'est ce matin hein, qui nous dit aussi euh, une nouvelle énergie qui arrive, notamment sur la sphère professionnelle ou par rapport à un travail que vous faites euh, pour euh, adoucir votre vie, euh, pour adoucir votre tempérament ou savoir conjuguer avec euh, des personnes autour de vous pour qu'on retrouve un peu cette idée de bonheur avec cette vie en rose. Moi, je ressens un, un, encore un, un petit obstacle à, à traverser pour parvenir enfin à retrouver une certaine paix. Moi j'ai un jardin qui vous dit la paix, le calme. Il reste encore un petit, une petite brindille, un petit bout de bâton pour certains d'entre vous euh, qui vous rend encore un peu malade. Ou si on travaille sur assainir une, une problématique, alors je vous dis clairement, j'ai le fou, et j'ai la souris, c'est pas forcément une belle association. Donc euh, Soit on assainit, euh, bah, une, une, on va parler ici d'une petite névrose ou d'une petite psychose, d'une nervosité, d'une émotivité, peut-être un trouble compulsif ici, enfin quelque chose qui est en rapport avec euh, une problématique depuis longtemps euh, qui va être enfin, euh, on sent une guérison arriver, on sent un lâcher prise, on sent... On sent qu'on qu lâche du lest ici pour beaucoup de Sagittaires. Donc, s'il y a eu des problématiques pour vous ou pour une personne de votre communauté, de votre foyer, de votre travail, quelque chose ici qui a visiblement créé des, des dysfonctions, enfin, quelque chose qui est un parasite, on parle de parasite, eh bien, on, soit, on voit qu'on est en train de se soigner. Alors, pour certains, c'est en rapport avec euh, un couple, avec... Euh, une personne qui est en couple autour de vous. Et voilà, moi j'ai du bon et du moins bon les Sagittaires, mais visiblement on va vers le meilleur. Ça c'est plutôt bien parce que ce qu'on ressent c'est qu'il y a une influence dans votre vibration. Voilà, c'est votre propre vibration qui influence les autres. Donc il est très important ici de savoir gérer ce set de bâtons et ce fou hein, qui, euh, qui peut parler de vos responsabilités. Parce qu'il peut y avoir un stress par rapport à des responsabilités que vous avez. Donc, soit pour un événement jour J ici, et on voit qu'avec l'écureuil, on vous demande d'être sur la réserve. Vous voyez, j'ai des énergies automnales ici, j'ai une énergie de légèreté. Donc, euh, deux choses importantes soit on doit euh, s'alléger de certaines responsabilités, soit on doit savoir faire euh, une forme de. Il euh, y, y a comme une réserve ou une timidité ou quelque chose comme ça qu'il faut ménager. Voilà, je ressens une ménage, de, de se ménager ici. Et en même temps, de bien considérer qu'une situation va s'ouvrir, va s'ouvrir vraiment, que vous allez enfin récupérer une forme d'apaisement ici. Je ressens une opportunité d'un renouveau très fort pour beaucoup de Sagittaire. Regardez comme on est en train de, de trouver cette paix. Ce serre ce, ce, ici nous parle des bois et du renouveau. Ici, j'ai la paix. Donc il y a une nouvelle possibilité pour les sagittaires, avec ce mat, de sortir enfin de stress, de sortir enfin de névrose. De... On en a tous des névroses, c'est pour ça que je me permets de donner ce, 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 ce mot-là, de, de le citer. Mais je ressens ici une nouvelle aventure qui arrive et une, une action là, qui... une nouvelle, un nouveau départ, une, un nouveau voyage, une solution, quelque chose comme ça qui va enfin, on va, on va arriver au terme là, il y a la fin, et puis on voit qu'il y a quelque chose d'autre, il y a une aide de l'univers de toute manière pour aller vers cette chance, nouvelle chance, voilà, moi je ressens une nouvelle chance pour vous. C'est le jour J pour cueillir une, une prochaine destination, une nouvelle étape de votre vie, et visiblement, ça concerne quand même beaucoup d'entre vous, une relation à quelqu'un. J'ai le 2, j'ai l'amour, j'ai le couple, j'ai l'amour. J'ai euh, du bonheur. Donc pour beaucoup, il s'agit ici de repartir sur des bonnes bases. Sur une situation qui nécessitait, bah oui, de. <laughs> J'ai l'impression que vous avez fait un pèlerinage, les Sagittaires. On a l'impression que vous avez été euh, sur les, les, les chemins de Compostelle, de façon imagée, euh, et euh, on sent que vous avez appris beaucoup sur euh, vous, sur la vie, sur, euh, sur euh, ce qui a pu vous perturber. Et on a pu vraiment passer par. Euh, on parle des clés, ça y est, la solution, on comprend maintenant, c'est qu'on prend un peu de hauteur, on prend le large ici. Après, beaucoup de répétitions et de... Voilà, ça me parle de mouvements répétés, de situations répétées, relationnelles. Euh, travail ou on parle même de spiritualité. Répétez toujours, répétez toujours. Et pourtant, ici, on va enfin faire du nouveau. Ici, on va créer du nouveau. On va penser autrement. Il va y avoir une nouvelle énergie. Et ça, c'est plutôt très bon pour vous. Voilà. Et en plus, j'ai du rose partout. Regardez. On parle de douceur de vivre. C'est beau. Et j'aime ça pour beaucoup de Sagittaires. C'est une, vraiment une invitation à plus de tranquillité et de douceur de vivre. Pour moi, le mat nous parle effectivement d'un pèlerinage, du monde fou hein, dans lequel on, on traverse et de l'univers qui vous aide de façon à vous trouver la, la clé à votre bonheur personnel. Moi, je ressens une belle énergie de ce côté-là. On a ici des personnes qui sont euh, très, très euh, guidées euh, par euh, des, euh, des êtres hein, aussi, euh, qui sont, euh, on montre ici de la spiritualité, une vibration. On montre beaucoup de l'aide de l'univers, on me montre des défunts, des personnes, alors je ne ressens pas vraiment des défunts, pour être honnête. Ce que je ressens ici, c'est possible, hein, mais ce que je ressens, c'est que vous avez toute une équipe hein, du ciel ici qui vous aide. À mettre un terme à quelque chose qui, semble-t-il, vous tournez en rond, on n'en sortait plus, euh, on jouait peut-être petit ou, ou peut-être même trop grand, ça dépend des sagittaires bien sûr, et aujourd'hui vous arrivez presque à, au terme ici, donc c'est très bon. On est en train de vous dire ici qu'il y a euh, l'univers et, et, et les êtres qui vous entourent ici, des énergies très subtiles qui vont vous amener au jour J au moment clé. Au moment où vous allez sentir que ça y est, on est passé par une vibration extrêmement costaud d'ici, hein, et on va aller vers de l'autre côté de la rive. Mais on sent bien que vous avez travaillé sur une, une hygiène de vie ou une hygiène mentale pour beaucoup d'entre vous. J'ai l'hôpital, le travail, j'ai la maladie, j'ai la maladie. Alors bien sûr, certains Sagittaires, vous avez un lien avec un établissement de santé que vous y travaillez ou que vous ayez euh, été accompagné vous dans une maladie ou euh, des personnes autour de vous qui, que vous avez aidé que vous avez euh, accompagné. Donc on peut sentir que il y en a certains c'est plutôt un travail sur ce qui était en dents de si répétitif qui vous rendait malade. Je vous ai parlé avec le fou, on est beaucoup dans la psychologie. Donc certains c'était je vous rappelle l'hypernervosité. Euh, le TCA, ça parle de, de maladies compulsive. Ça peut parler vraiment d'une émotivité, à une sensibilité. Puis vous comprenez qu'il y a une vibration euh, spirituelle derrière tout ça. Il y, a, il y a quelque chose de soudain. Regardez, on parle beaucoup de soudain, euh, soudaineté d'un travail sur sur ce qui vous a euh, euh, d'un coup secoué ce qui vous secoue au quotidien, ce qui fait que vous n'avez pas été euh, compris, euh, que vous n'avez pas écouté votre intuition, que vous avez changé de vie ou que vous avez, on, vous avez vécu des choses qui ont été complexes et moi pour moi là j'ai un coup de poker j'ai une situation ici qui nous dit voilà on, on sort de, on change de on change de façon d'être et on distribue autrement notre énergie, et puis bah, certains, vous sortez, oui, d'une situation qui a été perturbante pour votre psyché. Perturbante, extrêmement stressante. On touche vraiment l'énergie de la psyché. Hein, donc, euh, important ici. Alors, on peut aussi parler de personnes qui ont été euh, éloignées, de personnes qui mettaient du, du, euh, du bazar dans votre vie. Le mat peut parler d'une un, personne qui était très irresponsable, qui était très immature. Euh, on parle de jeunesse, hein? donc ça montre ici un, un parcours où vous avez dû évacuer les vibrations aussi hein, de, de tout ce que vous avez vécu de complexe. Il y a eu des vérités supérieures ici, et des aides qui ont facilité ou qui vous ont vraiment poussé à prendre des décisions et surtout des, des, des choses où... Euh, voilà, on s'est mis en route et euh, il, y a du, il y a eu du mouvement et j'ai l'impression qu'on vous a mis aussi beaucoup de synchronicité pour aller vers ce renouveau donc si vous vous posez des questions les Sagittaires je continue je continue pas euh, je pense qu'on essaye vraiment de vous influencer à lâcher quelque chose là. <laughs> donc voilà donc je ne sais pas de quoi on parle on va, on va voir par thème mais déjà il y a un jour j ici il y a quelque chose qui va se manifester voilà c'est intéressant. Alors, pour euh, les sagittaires, on va faire un petit tour de breloque, de façon à ce que vous puissiez repérer de quoi on parle. Donc, j'ai le J euh, comme prénom, alors j'ai des, des lettres, j'ai J, T, C, L. Alors, ce qui est bizarre, les, les sagittaires, si vous allez voir votre ascendant, ou si vous, vous allez voir des, euh, des, des relations autour de vous, euh, notamment votre couple, votre compagnon, vos enfants, eh bien, je ressens un lien avec un autre signe. Hein. Alors, je ne m'en souviens plus lequel excusez-moi, j'ai dû mettre une longue pause, j'ai eu un appel important. Alors, les Sagittaires, on y revient. Décidément, j'ai vraiment des, des soucis, j'ai des imprévus, j'ai des, des choses, euh, il faut tenir bon hein, pour votre guidance, les Sagittaires. Alors, je reviens sur les lettres, je vous ai dit, prénom, nom, mot, mot important, lieu géographique. Surtout, le L à côté du 3 va parler d'une personne qui pourrait être de votre, de votre fratrie hein, ou des oncles et des tantes, parce que finalement... Euh, le lapin nous parle de famille nombreuses, donc ça peut être aussi les nièces, euh, les, euh, les neveux, enfin, des cousins, des cousines, enfin, des personnes en tout cas qui font partie sans doute de votre fratrie. Euh, pour d'autres, ce sera euh, le prénom d'une nouvelle personne qui arrive hein, dans votre vie, soit dans la sphère prose, soit dans la sphère sentimentale. On peut avoir ici euh, bah, une troisième personne, donc euh, peut-être le prénom d'un bébé d'ailleurs, parce que j'ai quand même... Euh, une énergie rose, j'ai un lapin et j'ai le cheval à bascule avec ce rose. Donc on peut aussi parler de, de bébé. On passe de 2 à 3, nous certains. Oui, vous, avez à, vous allez avoir un bébé, c'est possible. <laughs> donc euh, ici, on me dit qu'il y a... Euh, Également, dans ce 2 et ce 3, alors le, le, les maisons astrologiques, moi je fonctionne comme ça. Le 2 va nous parler de euh, concrétisation financière, de, de projets en lien avec des possessions, donc euh, de l'argent. Euh, certains, ce sera un don et un don spirituel qu qui peut être euh, très important ici. Euh, je vais avoir également pour certains euh, l'idée euh, bah, de, de l'investissement et on parle de l'amour. Donc ici, on parle d'un investissement sentimental ou d'un investissement, oui, affectif, hein, pas forcément dans le, dans le couple, hein, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être une passion aussi dans lequel euh, pour laquelle vous allez vous investir et vous battre. Hein. J'ai euh, le 3 qui nous ramène, je vous ai dit frères, sœurs, communauté. Surtout, on va parler également de communication, de transmission, de la manière dont vous parlez ici. Hein, on parle de situations comme ça. Il peut y avoir aussi des questions de déplacement et euh, ça peut être dans un endroit euh, qui s'appelle elle hein, ou pour aller voir quelqu'un qui s'appelle elle, hein, je peux avoir ça. Bon, on a fait à peu près le tour des lettres et des chiffres. Alors j'ai l'amour ici à côté du 2. Il y a quand même une, une énergie d'une rencontre qui peut se faire dans un endroit assez particulier pour beaucoup d'entre vous. Alors j'ai la sphère du travail ici, hein, donc le travail. J'ai également peut-être en lien avec une visite dans un autre pays et aussi sans doute quelqu'un qui peut être avec euh, qui est très attaché aux valeurs familiales ou qui a une, euh, déjà des enfants, c'est possible. Voilà j'ai ça. Euh, j'ai le, le cheval à bascule la c'est marrant parce que j'ai du rose partout ici et j'ai cet événement rose et je ressens une, une personne qui peut euh, être euh, plutôt jeune, une jeune femme. Euh, j'ai quelqu'un ici qui pourrait être très doux, très tendre, euh, j'ai la notion d'une adolescence ou d'une enfance aussi. On peut parler de votre enfance ou de votre adolescence. C'est pour ça qu'on a la communauté qui revient. Et je peux ressentir qu'il y a un, une histoire familiale ici. Euh, après des de longues traversées, de, des épreuves, hein, j'ai l'impression qu'on revient un peu à, à une douceur d'enfance. Vous hein, voyez, c'est un peu cette énergie qui ressort. Je ne sais pas si ça va parler à qui, mais c'est comme ça que ça ressort. J'ai la clé une fois, et je vous ai dit la clé. Alors, en dos de deck, j'ai la clé quand même ici, j'ai une solution. Donc, les clés, elles ouvrent. Elles ouvrent des, euh, des, des, des maisons, elles ouvrent des voitures, elles ouvrent aussi euh, la porte d'une ben, énergie qui était à, à tourner en rond, qui se répétait. Et je pense que c'est cette énergie qui arrive pour vous. Hein. J'ai du pain ici, je ne sais pas si vous voyez bien, euh, j'ai du pain qui est tombé sur euh, cette énergie-là. Alors, souvent, c'est en rapport avec la communauté, avec euh, un, euh, le fait ici d'avoir une protection. On parle de bénédiction, vous savez bien, dans des valeurs religieuses, le pain, c'est du pain béni. Euh, on peut avoir ici cette énergie. J'ai même la notion d'avoir pu vivre un, une histoire, et ça me parle tout de suite, d'ancêtres de, qui ont vécu. Une vie où il y a eu beaucoup de malheurs, beaucoup de situations extrêmement difficiles où on a manqué, manqué, manqué. Et euh, visiblement, c'est ça hein, cette douceur de vivre que je ressens. Baguette magique, euh, baguette et baguette, hein. baguette magique, transformation d'une histoire concernant une communauté. D'ailleurs, le C comme communauté. Voilà, j'ai l'impression qu'on va vers ce renouveau. Donc il euh, y, a, y a une notion d'avoir été peut-être, euh, on, on a des ancêtres qui ont manqué, qui ont, qui ont beaucoup manqué, la peur du manque. Et le défi ici pour vous a été de relever ce, cette énergie-là pour peut-être honorer une mémoire et euh, partir au combat d'une certaine manière, voilà. Alors j'ai comme l'impression de voir un militaire ici, un défunt, donc euh, peut-être vous étiez, là j'ai quelqu'un de très sportif ou qui avait un travail physique on ressent quelqu'un qui était dans un travail physique, hein. voilà, et on parle d'un groupe de personnes. Donc visiblement, on soigne une mémoire hein, pour beaucoup, hein, si vous me suivez, euh, une mémoire pour aller vers la chance, vers euh, une attraction des choses plus positives, et on monte vibration ici, une vibration qui vous influençait énormément. Le pain nous disait on pouvait manquer, manquer de quoi manger, et là on est en train de vous dire c'est en train de se transformer, et on va vers plus de fécondité, de fertilité d'abondance le lapin c'est aussi l'abondance voilà alors on va euh, revenir sur vos énergies votre votre énergie votre pensée les, les sagittaires vos préoccupations bah oui le destin la clé hein. moi je sens que c'est un tirage qui est assez fort euh, c'est euh, comme si vous arriviez à, à mettre euh, vous preniez le relais, c'est marrant parce que j'ai l'impression, vous savez, que ça, ça me fait penser à quelqu'un qui court, qui fait du sport, qui va attraper le bâton, ici le relais, la suite d'une mémoire familiale et voilà, on y va et, et on va chercher la paix. Je pense qu'il y en a beaucoup qui travaillent en, en toile de fond sur une vibration spirituelle. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y en a tout simplement qui cherchent à sortir de, de conflits, de, de problématiques. Vous savez, quand un Sagittaire est, est bien aspecté, quand il est dans de bonnes dispositions, il est magnanime. Donc, on est aussi la solution sur des personnes, des groupes de personnes ici, voire même une communauté au niveau du travail. Donc, si vous avez un public, si vous avez ici un groupe de personnes, surtout si vous travaillez dans le domaine de la santé. Euh, on peut sentir que vous cherchez tout le temps les solutions, que vous êtes la solution aussi pour apaiser des conflits. Et on voit qu'il y a des nouvelles chances ici et surtout le trèfle nous parle de moments importants où on se pose, où on, où on contemple, on observe et on laisse toujours des nouvelles chances sur des situations conflictuelles. Donc on écoute l'autre, voilà. Et je pense que ce cerf nous parle de conflits aussi avec un masculin pour certains Sagittaires. Hmm prudence sur des conflits. Bien sûr, c'est ce qu'on nous dit. Surtout, prenez du recul parce que ça influence aussi votre votre, votre vibration. Regardez comme on a une notion d'événement comme ça, assez soudain, imprévisible, et ça, vous devez toujours vous en prémunir hein, pour, pour les sagittaires. Ça nous dit aussi qu'il y a une nouvelle chance de dénouer. Hein, ce, on dénoue quelque chose ici et ça vous amène ici à une nouveauté. Donc, on a une nouveauté, puisqu'on a ici l'idée d'un cercueil, de la fin. Du, du, on, on finit quelque chose là, on en finit. Donc, il y a une. une voilà, je pense qu'on en finit avec un contexte un, de, de précarité ou des personnes comme ça qui vous attiraient par le bas. Là, j'ai aussi des personnes qui ont des troubles compulsifs pour gagner de l'argent. Hein, j'ai quelque chose comme ça. Hein, où on a des personnes qui veulent gagner, gagner. Hein. Mais bon, pour moi, on, on, on sort de ça, donc c'est très bon. Alors, sur la sphère générale, j'ai ce fameux fou qui est là, <laughs> et j'ai cette énergie de, de rat, euh, de, de souris. Donc, euh, ben bah oui, euh, voilà, on repart à zéro. Pour moi, là, vous êtes en train de prendre un nouveau départ qui peut être un peu stressant, mais c'est un grand saut dans le vide, et ça vous demande ici, ben oui, de, de rester calme, de ne pas vous rendre malade de ce nouveau, par, nouveau paramètre dans votre vie pour vous ou pour une personne aussi autour de vous, hein, qui, euh, qui semble cueillir sa chance et vouloir oser. Et, euh, il y a de l'audace dans votre tirage et ça, ça semble être assez euh, particulier parce que j'ai quelqu'un ici qui est très prudent et quelqu'un qui se lance. Voilà. Donc euh, c'est peut-être ça aussi qui fait une complémentarité aussi parfaite, hein, puisqu'on parle beaucoup de la notion de couple et euh, nouveau départ pour un couple, nouveau départ euh, dans une association. Euh, vous, vous unifiez avec... On parle d'unité aussi, hein, parce que là, j'ai quand même des vibrations spirituelles, donc on peut parler d'une communauté avec qui vous vous sentez relié. Ah, ben là on montre le travail. <laughs> j'ai beaucoup la notion de travail. Bon, allez, certains, vous allez faire une rencontre au travail et un coup de cœur. Hein. D'autres, vous allez avoir une passion euh, soudaine qui arrive et vous allez vous lancer à corps perdu. J'ai des personnes qui sont vraiment passionnées ici. On sent un amour fou pour euh, quelqu'un ou pour quelque chose ici. C'est beau. Hein Sur la sphère euh, professionnelle, alors je ne vous ai pas montré, j'ai le cas du C, donc on peut tomber, tomber aussi en, en, en énergie. On parle d'une énergie, euh, c'est comme si on soignait une énergie ici, on s'alignait, euh, on peut avoir euh, ouais, euh, soudainement un hein, don qui se réveille aussi hein, pour certains sagittaires. Nouveau jalousie. Alors pour moi, je ressens qu'il peut y avoir euh, bah, dans le cœur d'une personne, moi, on parle plus, plutôt d'un travail d'âme ici pour les sagittaires, mais on ressent une forme de nouveauté, donc peut-être l'accueil d'une personne ici hein, qui va accoucher, voilà, <laughs> c'est ça. Euh, on peut avoir ici euh, une association, comme je vous en ai parlé, qui vous fait énormément de bien. Euh, un partenariat, euh, un coup de cœur amical, un coup de cœur pour euh, les, les personnes avec qui vous travaillez, pour le public pour qui vous travaillez. J'ai quelque chose comme ça. Pour certains, euh, vraiment, vous lâchez aussi une idée du, du couple parfait, de l'idéal, de l'association parfaite et euh, vous sentez que ça, ça vous permet ici de vous alléger. Hein. J'ai une rivalité, j'ai une concurrence ici, donc euh, il se passe euh, ici un, un besoin de lâcher prise par rapport aussi aux rivalités que vous rencontrez. Ouais. Surtout si ça se répète, qui vous rend instable hein, dans votre façon aussi de, de vous sentir bien hein, dans la vie et au travail. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec une carte conseil J'en ai certains qui travaillent dans le milieu euh, du féminin, de l'adolescente, de la jeune fille, des enfants, de l'enfance. J'en certains qui travaillent dans la musique, hein. d'autres dans le sport. Hein. Moi, je ne sais pas dit, j'ai des sportifs ici. Hein. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit, les sagittaires, sur la sphère professionnelle Je mets la clé ici. Oui tu es puissant. Bah oui, je ressens une force ici hein. euh, le set de bâton, il s'arrête pas, hein. il continue sa route même si euh, il rencontre des moments euh, assez assez durs. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire, de modifier ta vie, de la transformer de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu es capable. Alors fais-le tout de suite, je suis avec toi. Ouais, ici, on n'attend on pas, pas avec ce trèfle, on nous dit, c'est instant présent, c'est en ce moment, c'est le jour J. Vous voyez, c'est un peu, euh, si vous hésitez là, euh, ça ne va pas tarder, <laughs> vous allez être motivé, vous allez être aidé. Et j'ai cette notion vraiment de... de voilà, de, peut-être certains, tout, toute cette douceur un peu rose, c'est avoir peur qu'un bonheur vous échappe. Et euh, voilà, <laughs> j'ai la baguette magique, hein, donc j'ai cette petite fée qui vous dit, euh, voilà, tu es puissant, j'ai peut-être aussi la présence d'une un, défunte et on parle d'un enfant. Donc on, voilà, on a une notion d'enfant ici, présence d'un enfant défunt. Cessez de vous comparer aux autres, hein. concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs, à votre pouvoir. On vous parle bien ici de vos forces intérieures. Visiblement, hein. hum. il y a quelque chose qui doit euh, ressortir de, de très important ici. Être à l'écoute de soi dans les mois à venir et votre vibration. Voilà. Donc certains vous allez rencontrer une personne euh, au travail ou euh, au travail, oui, de la personne. Euh, je ressens aussi quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui euh, qui vous soutient ici. Hein. Hum. Sur la sphère matérielle financière. Donc là, j'ai des choix pour finir, pour clôturer un chapitre, une transaction ici, une négociation. Et on parle de plusieurs personnes qui sont impliquées. Alors, communauté me fait penser vraiment à, à une notion de commerce ou une notion d'un groupe de personnes avec qui vous négociez. Il peut y avoir des frères et des sœurs, donc il peut y avoir un héritage ici. Et je pense qu'on peut aussi avoir euh, du soutien de l'univers pour pousser euh, des personnes à partager. Je ressens une notion de partage ici. Et en dos de deck, on me dit travail et euh, hôpital. Alors, certains, vous travaillez trop. Hein, C'est ça, on vous dit, euh, voilà, ménage-toi. C'est ce que je vous ai dit au départ. Euh, certains, vous travaillez dans un milieu hospitalier où vous, vous accompagnez euh, des personnes qui euh, sont un peu malades au niveau de la famille ici. Tant voilà. euh, si, hein, quand même, au niveau du travail, il y en a certains qui travaillaient un peu par intermittence, qui avaient des petits contrats, des choses comme ça. Donc là, on voit que dans tous les cas, il y a, il y a quelque chose qui doit se soigner et on, on s'active pour soigner. Une problématique peut-être en lien avec la notion d'abondance ici. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires Au niveau de la sphère matérielle, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de décembre, les Sagittaires Accueillez les miracles. Alors. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance. Bannissez le doute hein, qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Bon, moi, j'ai une guérison. Hein. Je rappelle toujours, euh, j'ai lu le cours des miracles. J ai, j ai, je me suis beaucoup documentée là-dessus. Puis j'ai vécu par moi-même des choses. Le miracle, c'est la guérison. C'est quand on a réussi à résoudre quelque chose. Et euh, ça paraît magique parce que euh, quand il y a effectivement du souviens, soutien de l'univers, on voit les vibrations, donc on concentre toute l'énergie. Donc, c'est important ici d'y croire, de croire en, en, au terminal euh, d'une situation qui s'est longtemps, longtemps répétée. On a l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. Donc, il y a une situation salvatrice. C'est une nouvelle chance ici, une nouvelle opportunité. Le mat, même si la peur, il va se lancer. Ici, on vous dit bah voilà, chasser la peur. Je ne l'avais même pas vu, il était tourné le paquet. Ben bah voilà, c'est ça. Hein. Arrêtez de ressasser des peurs. Hein. On vous dit ressasser des peurs. Euh, lié au passé, vivez le moment présent et c'est exactement ça, ici on vous dit on ressasse, on ressasse et euh, parce que l'écureuil il a souvent peur et, et, et le trèfle nous dit, bah, c'est le moment présent qui compte, concentrez-vous sur des solutions célébrez chaque petit pas que vous faites en avant très beau, très très beau, vraiment au niveau de la sphère sentimentale, bah oui, hein, on vous dit tout le temps lâchez quelque chose, là. lâchez une, un idéal, lâchez, vous êtes une petite fée pour certains, vous êtes, vous côtoyez, vous avez des protections sur vous, vous êtes soutenu hein, clairement. Et là, euh, c'est tout le temps la même, la même idée ici. Là, on a des feuilles qui tombent, on vous dit voilà lâche, 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 lâche ce qui t'obsède, lâche ce qui, est, euh, qui devient névrose quelque part. Lâche ce qui euh, fait confiance ici, fais confiance à, à la spiritualité, fait confiance à, à te, fais-toi confiance ici. Et c'est souvent euh, très con, ça devient conscient ici. Moi, je ressens une forme d'énergie qui arrive comme ça subtile, qui arrive tout de suite comme un flash, comme une évidence, et c'est plus facile. Et oui, on y travaille, on trouve le courage de dépasser une peur. Il y en a qui ont des coups de foudre, hein, qui, qui vont avoir un coup de foudre. Moi, ça ne me parle que de ça pour beaucoup. Euh, pour euh, certains, vous avez déjà eu ce coup de foudre. Hein, voilà. Mais faites confiance. Si, par exemple, cette relation est un peu complexe, hein, vous allez parvenir ici à comprendre davantage. Euh, on voit qu'il y a une transformation, hein, euh, une, une transformation majeure. Hein. Le bateau nous parle de bord de mer. D'ailleurs, j'ai eu quoi qui était au bord de mer ce On m'a dit. Pour certains, c'est des questions bord de mer. Quoi, là. Euh, là, on parle d'un de, de, événement soudain euh, qui va vous demander du courage aussi hein, pour ce, beaucoup de sagittaires, puis on le voit. Donc, euh, faites vraiment confiance parce que ce n'est pas anodin que ça arrive. Voilà. Donc, une transformation importante ici. Alors, je pense que c'est très en reliance avec euh, la communauté que l'on voit ici. Vous, voilà, vous, je pense que vous êtes entouré de, de, de personnes ici qui vous accompagnent pour dépasser une, une problématique. Alors, j'ai la notion d'une féminine ici hein, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère euh, sentimentale pour vous les sagittaires hein Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de décembre Faites de la place à la paix intérieure. Quelle légèreté on ressent ici avec cet oiseau qui prend cet envol. Un hein, nouveau départ. Hein, moi, ça me rappelle le matin. Hein, la photo me montre quelqu'un qui se lance, hein, qui va, qui ose, hein, qui euh, cultive chaque jour la paix intérieure. On la ressent, la paix ici, hein, la paix en vous. Euh, le, dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous. Honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. C'est bien ça, on dénoue quelque chose et on est dans cet instant très particulier où on est en, à l'intérieur, on ressent une vibration qui vous élève. Hein. C'est important et ça a tout à fait une incidence sur vos énergies dans l'influence que vous avez sur les autres. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck euh, bah, Oui, c'est la guérison. Je vous ai parlé de guérison de miracle. Regardez encore, encore une image d'une personne qui regarde l'horizon et qui se déleste et qui euh, vraiment, on sent une légèreté. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers hein, qui soutiennent vos guérisons physiques, émotionnelles et spirituelles. Je pense que je n'ai rien à ajouter. Tout a été dit. C'est vraiment ça. On va euh, terminer euh, les sagittaires par une baguette divinatoire, si vous le voulez bien. Donc n'hésitez pas à poser une question si vous en avez une. Sinon, eh bien, ça va être sans doute dans la continuité de votre tirage. Hein Qu'est-ce qu'on vous dit, Sagittaire Quel message pour vous, pour ce mois, Sagittaire, mois de décembre Énergie 45. Un nuage sombre semble planer au-dessus de votre tête, ce qui pourrait être le résultat de pensées négatives coupées avec votre routine. Rapprochez-vous de la nature afin de retrouver une belle hygiène mentale. Cela vous aidera à avancer sereinement. Alors oui, je vous ai parlé d'hygiène mentale, c'est important ici parce qu'il y a eu du stress, il y a des événements qui sont sportifs, je vous l'ai dit. Euh, vraiment on a besoin de se dégager de situations de, bah, de, de, de peur, d'angoisse euh, et, et, et différentes couches hein, pour certains sagittaires donc c'est ce qui ressort hein, dans votre tirage voilà je vous souhaite un, un très beau mois de décembre et je vous souhaite également de très belles fêtes, à bientôt